amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de pouvoir faire ensemble le budget du mois de septembre. Donc ça y est, on est le premier, on va commencer la rentrée dans quelques jours. Donc il est plus que temps de pouvoir mettre en place le budget. Donc le mois d'août, c'est relativement bien terminé, comme vous avez pu le constater. Donc on va partir sur de très bonnes bases par rapport au mois de septembre. Donc c'est quand même plutôt positif, surtout que en général, c'est quand même un mois qui est un petit peu lourd. Donc allez, on va voir tout de suite ensemble comment je vais organiser et modeler mon budget pour le mois de septembre. Allez, donc je vais faire en sorte de ne pas être hors cadre comme j'ai pu l'être la dernière vidéo là pour le budget d'août. Il y a un moment donné, il y a une ou deux fois où je suis sortie du cadre, notamment quand je comptais la monnaie, quand j'étais sur le bas. Donc là, je vais essayer de faire attention. C'est vrai qu'étant dans ma chambre, le bureau est pas très très large. Il commence juste là, sur le bord, et se termine juste là. Donc voilà. Et avec le pied et tout, c'est pas évident de bien tout cadrer correctement. Donc je vais faire au mieux. On va d'abord faire le bilan, le budget prévisionnel sur papier. Et après, on ira remplir directement les enveloppes budgétaires. Donc concernant le salaire, donc j'ai constaté que j'ai eu une petite augmentation ce mois-ci. Alors à savoir que mon budget n'est pas encore stabilisé au niveau de... Au niveau des montants, il est jamais fixe hein, tous les mois, il évolue à chaque fois. Des fois c'est en plus, des fois c'est en moins. Et comme j'ai changé de statut, pas de statut, mais voilà, j'étais un petit peu, j'étais à 80%, donc du coup il y a eu peut-être un réajustement qui est encore en cours ces derniers temps. Concernant les prestations familiales, je suis à 140, la pension alimentaire, on met 400. Donc là, du coup, ça nous fait un total de 2751,51 €. Concernant le loyer, donc là, ça n'a pas changé, toujours 935. Le gaz, 69, c'est pareil. Internet, 44 et la téléphonie, 12 €. Pas de changement, la mutuelle 84, les frais bancaires 6. Alors à voir, là pour le moment je n'ai rien eu concernant ma nouvelle carte bleue suite à l'opposition. Je ne sais pas si j'aurai des frais ou pas. Donc à voir, on verra au courant septembre si j'ai quelque chose. Mais je pense que si j'aurais dû avoir, ce serait déjà apparu j'imagine. L'épargne mensuelle, donc là je la mets pas ici, donc ça nous fait toujours 1269 €. Concernant l'épargne mensuelle, donc tout ce qui est mis de côté automatiquement, je suis à 45 €. PEA 20, assurance vie 66,25, la 3,20, ce qui nous fait un total de 134,45 €. Assurance voiture, ça n'a pas bougé non plus, on est toujours sur 380. La maison 320, l'eau 260, entretien voiture, je mets toujours 500. Donc 1460 € par an, soit environ 122 € par mois. Voilà. Donc là, au final, il y a principalement là au niveau des rentrées d'argent qui ça a changé par rapport au mois précédent. Concernant donc là les enfants, bah, il n'y a pas. Frais de garde, il n'y a pas. Je vais mettre de côté du coup, parce que là, je vais anticiper sur le mois de... sur les vacances de la Toussaint au mois d'octobre, de manière à pouvoir déjà leur acheter le nécessaire pour l'hiver. J'achète jamais maintenant, parce que tout simplement, bah, ils ont encore des choses. Et surtout, c'est que au mois de la Toussaint,
vais y arriver. Je sais pas pourquoi je dis toujours au mois, hein, mais ouais, c'est au mois d'octobre, aux vacances de la Toussaint. En général, les enfants, ils ont souvent pris un petit peu, ils ont souvent grandi. J'ai remarqué que ça m'avait déjà fait le coup, où ils ont grandi entre la rentrée et du coup le mois d'octobre. Donc, je préfère attendre le mois d'octobre, la Toussaint. En plus, il y a des offres sur les vêtements, donc tout le monde est gagnant. Donc, je vais prévoir de leur prendre quand même 200 € de carte qui habille. Donc, c'est ni là ni là. Donc, du coup, je vais prendre 200 € qui habille de manière à pouvoir avoir de quoi les rhabiller si nécessaire. Si jamais c'est pas utilisé là, c'est pas grave, j'y mets de côté et on verra courant de l'hiver ou ce sera pour le printemps l'année prochaine. Ce n'est pas un souci. Concernant tout ce qui est enveloppe budgétaire, donc au final, on est à 2 700. Je check si je suis bien cadrée quand même. 51,51 €. On enlève les 1269 moins 134,45 moins 122, oui, 420,5. Donc, du coup, ça nous fait du 805,56. Voilà, là je suis super contente parce que du coup, il y a une belle augmentation. Ils ont une belle augmentation. Oui, j'ai quasiment 110 € je crois, de plus que le mois précédent. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est plutôt positif. Alors du coup, on va voir comment je vais répartir du coup mes enveloppes budgétaires, cet argent-ci. Alors, à savoir que sur le mois d'août, il me restait 100 € en carte cadeau concernant tout ce qui était alimentaire. Donc celle-là, elle est déjà ici. Habituellement, pour les courses, je fais 300 €. Donc là, je vais rajouter 200 € de courses. Voilà. Plus les 100 €, les 102 € qui me restent, ça me fera 302 € pour le mois de septembre. Côté carburant, alors carburant, j'ai fait le plein peu de temps sur le retour des vacances, quasiment arrivé à la maison. La dernière semaine, là, on n'a pas spécialement bougé, on a fait des mini trajets. Disons, si on allait à 30 km de la maison, mais bon, on a fait juste un aller-retour, donc c'est pas énorme. Il me reste quasiment la moitié du réservoir. Donc, je pense qu'avec un budget de 100 € ça devrait le faire parce que je suis quasiment, vu que le plein est quasi, disons, j'ai quasiment la moitié du réservoir, ça me fait à peu près quasiment 150 en carburant. Donc voilà, je devrais tenir normalement pour le mois. Ensuite, concernant divers et resto, on va rester sur 35 €, sachant que en théorie, je ne devrais pas faire spécialement d'achat dans le divers resto parce qu'on a déjà bien profité au mois d'août et que du coup ce mois-ci j'ai l'anniversaire de ma fille donc effectivement peut-être que je prendrai un peu dans le divers, dans le resto on devrait pas en faire en théorie. Concernant la santé, donc là je suis je crois à plat donc j'ai plus rien du tout, je vais rajouter 20 €. Tout ce qui est activité, donc pareil, là j'ai tout utilisé au mois d'août. Donc je vais mettre 30 € de manière à regonfler gentiment également ici. Là, du coup, on fait comme ça. Il n'y a rien dans cette rubrique-là en fait. Donc là, ça me fait un total de 385 €. Voilà, donc pour tout ce qui est mensuel, tout ce qui va être épargne, donc le bois, donc 45, j'étais à 45 €, je pense que je vais gonfler un petit peu parce que vu l'évolution qu'il y a eu cette année-ci, une explosion de demande pour le bois, je pense qu'il va y avoir une énorme montée. En plus, quand j'ai rentré le bois hier, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui m'a livré me livre habituellement à la tonne. Elle fait toujours la pesée du camion. Sauf qu'elle m'a expliqué que ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir des rendez-vous pour faire les pesées et tout ça. Et que du coup, l'année prochaine, il ferait du coup non plus à la tonne, mais à la stère. Donc forcément, le prix est beaucoup moins intéressant pour nous clients.
Ben, je vais anticiper une répercussion et donc du coup, je mets 50 euros. Déjà que 45 euros, j'étais un peu sur la tranche haute parce que je devais être autour des 41 euros, un truc comme ça à l'année mensualisée. Donc j'avais arrondi à 45, là j'arrondis à 50 de manière à pouvoir anticiper pour les prochains achats. Là je vais du coup avoir déjà un petit peu d'argent, j'ai déjà de l'avance pour le mois d'octobre. Je vais faire une deuxième rentrée de bois partielle, je ne vais pas faire la totalité, je vais faire que la moitié de ce que j'ai pu rentrer hier. Concernant le shopping, je vais mettre 70 euros de côté parce que j'ai déjà quelques achats de prévus, j'ai prévu mon panier et donc du coup j'ai pour cette somme-ci. Concernant les cadeaux, je vais mettre 50 euros parce que j'ai l'anniversaire de ma fille et je compte bien anticiper déjà un petit peu pour Noël, même si j'ai quand même de l'argent de côté. Là, ce mois-ci, je suis un peu plus large, donc je me permets de remplir plus facilement les enveloppes. Concernant les vacances, donc là, on est à sec également. J'ai décidé de mettre 100 euros de manière à avoir déjà une belle avance. Concernant Amazon, ça c'est au mois de mai, donc j'ai le temps de voir venir. Je remplis 23 euros pour le défi des 23 euros. Je remets 10 euros pour la convention. Le ramonage, je l'ai fait il y a 2-3 jours, donc là c'est pour l'année prochaine. Et le défi gym, j'en ai pas, c'est pas d'actualité. Du coup, j'ai pas ça à rentrer, à sortir, on va dire. Donc du coup, là, ça me fait 303 euros ici. À savoir que je ne l'ai pas mis ici dans les rubriques. D'ailleurs, je devrais peut-être prévoir une ligne en plus, je ne sais pas. Mais j'ai également eu une amende pendant les vacances. Alors, je m'y attendais parce que tout simplement, je me suis stationnée sur le bord d'une place. La place, elle avait été condamnée par rapport à une fête foraine qui arrivait, mais du coup, il y avait le stationnement qui était avec des barriérages et les barrières étaient sur le bord du trottoir. Donc, le bord du trottoir était là, la place était ici. Moi, je me suis stationnée, il y avait énormément de voitures, donc moi, je me suis stationnée dans le prolongement. Je me suis dit que du coup, ça je ne gênait pas puisque c'était uniquement la place qui était concernée par le barriérage. Sauf que, eh ben non, donc là, c'était le temps qu'on aille au trampoline park avec les enfants. Donc bah quand je suis revenue le soir, j'avais des papiers indiquant stationnement interdit du temps au temps et avec une demande de mise en fourrière. Donc j'ai eu la chance que mon véhicule soit pas parti en fourrière, mais du coup je savais que j'allais avoir une amende. Donc du coup j'ai 35 euros à payer également par rapport en sortie d'argent pour le mois de septembre. Alors du coup, je ne sais pas où c'est que je vais le caser exactement. Je vais peut-être le mettre ici, moins 35, du coup. Donc du coup, ça fait 3. Ah non, c'est en plus. Oui, c'est en plus, j'allais soustraire. Non, donc c'est plus. Donc là, ça fait 90. Donc 90, donc ça fait 420 euros. Voilà. On va les tourner comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je suis à 805,56 moins 420. J'aurais dû les faire plus larges, les places là, et j'ai pas grand-chose. Hein. 303. Donc ça nous fait un total de 82,56 euros. Donc, les 82,56 euros, tout simplement, je vais aller les rajouter dans mon défi des surprises. Donc voilà, j'ai décidé de mettre de l'argent de côté et après, le moment venu, on verra exactement ce que je ferai avec cet argent. Donc là, concernant Amazon, on est à sec. Défi des 23 euros, donc là, on était à... Attendez voir, hop. Le défi des 23 euros. Donc j'étais à 184. Ah, elle s'éteint. 184 euros. Plus donc 23. Donc ça nous fait 207 euros. La convention. Donc la convention, j'étais à 87. Bon, plus 10, c'est 97. C'est pas compliqué. Le ramonage. Donc là, il me reste 5 euros.
parce que j'avais mis 60 euros de côté et c'était 55 euros. Donc du coup, il me reste 5 euros. Le défi des surprises, du coup là, j'étais à 121,50 € plus donc les 82,56 €. Donc plus 82,56 €, on est à 204. Donc 204,06 €. Le défi des centimes, et ben on va les remplir au fur et à mesure parce que du coup, bon, ça j'y mets de côté. Donc le défi des centimes ici, hop. On en est où? Tiens, c'est pris là-dedans. Défi des centimes. Donc là, on est à 1 euro. Alors 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46. 1 euro 46. Ah, j'ai fait quoi de mon stylo? 1 euro 46. Défi des 1 euro, donc là je suis à 3 euros. La défi des 2 euros, je suis à 2, 4, 6, 8 euros. Et le défi des 5 euros, donc du coup j'étais à combien, je sais plus, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 euros. Ah oui, et j'y pense, j'allais oublier. J'allais oublier que quand j'ai dû réactiver ma carte bleue, j'ai dû faire un retrait et donc du coup, j'avais retiré 10 euros. Donc du coup, j'ai décidé de le rajouter également ici. J'ai oublié de le faire dans le bilan, dans le budget d'août. Donc, j'ai dit qu'on était à 70, hein, je crois. Donc du coup, là, ça nous fera 80 euros. Eh ben super, je suis super contente. Ça avance gentiment. Et eh ben voilà. Comme ça, j'ai des défis qui se remplissent. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça allait se remplir là rapidement. Ben, c'est super. Ça me permet justement de pouvoir avoir de l'argent un peu de côté. Et du coup, ça me... Eh ben après, on verra ce qu'on fera de l'argent. Hein, pour quelle occasion on pourra là réinjecter tout ça. Allez, on passe au remplissage directement des différentes... classeur. Allez, donc concernant le budget mensuel, donc course, on va remplir, donc on était à 102, on va remplir au 1er septembre, donc du coup donc, plus 200, ça fait 302 euros. Voilà. Le carburant, on a dit du coup qu'on allait rajouter une carte. Plus 100 euros. Parce que du coup, on sait qu'il y a déjà la moitié du carburant de réservoir plein. Donc, le 109. Plein, carte cadeau. Total plus 100, donc on est à 100 euros. Concernant les activités, donc on a dit que les activités, on mettait, que je me trompe pas, 30 euros. Alors septembre plus 30, donc on est à 30 euros. Concernant la santé, donc j'ai décidé de rajouter 20 euros. Oh, ben, il restait 42, je pensais que j'avais plus rien. Bon, bah ben, très bien. Pour septembre, donc plus 20, on a dit, hein, oui. Donc ça fait 62,89. Après, on verra parce que du coup... on verra parce que du coup là, je risque peut-être d'aller voir l'ostéo. J'y suis toujours pas allée. Concernant le divers,
Alors, le divers, j'ai dit que je rajoutais 35 euros pour le mois de septembre, plus 35 euros. Donc là, on est à 22,26 plus 35 égale 57,26. 57,26 euros. Voilà, l'occasion, bah là, du coup, ça n'a pas bougé. Ce soir, on a un rendez-vous, donc il y aura une petite sortie d'argent pour récupérer un livre. Hop, et donc, du coup, on passe aux enveloppes d'épargne. Voilà, je vais y arriver. Donc, côté shopping, donc il y aura 200 euros de carte Kiabi. Plus 200, donc je vais les commander et dès que je les aurai, je les rajouterai ici. Donc on sera à 321,72 €. Concernant les cadeaux, j'ai dit que je rajoutais 50 €. Donc en septembre, plus 50 €. Donc on est à 275,34. Concernant la convention, donc plus 10 à 97 €. Les remboursements, donc au mois d'août, j'ai fait le calcul parce que vous saviez que l'autre fois, j'avais pas regardé mon relevé de compte. Donc j'en ai eu pour 7,54 € de remboursés. Donc ça nous fait, attendez, je vais vérifier, 0,39 plus 7,54, ça me fait du 77,93. Voilà. Concernant Shopopop, donc là, au mois d'août, j'ai rien eu. Hop. Les vacances, donc pour les vacances, j'ai décidé de mettre combien 100 € au 9 septembre. Donc 100 €. Donc on est à 100. Alors là, je sais pas pourquoi j'avais fait des 40 €. C'est pas du tout pratique. Hop, donc là on est à 80. Et 100 €, voilà. L'assurance maison, donc là, on est quasiment plein. Donc, c'est 122 €. 122, donc là, j'ai 30, 60, 90, 90, donc là il me reste 34, donc 32 plus 2, ça fait 34 €. Donc il me reste 34 €, donc 34 € plus 14, 34 plus 14 égale, ça fait 48. 48, donc du coup ça me fait là 30, il me reste 18 plus 18, là on est à 18 €. Hop, voilà, donc comme ça, ça remplit ici. Concernant ensuite l'entretien de la voiture, donc là c'est pas encore passé, mais il m'a indiqué comme quoi normalement je devrais être dans les 200-250 €, donc j'aurai déjà de quoi faire d'avance pour l'année prochaine. Concernant le bois, du coup là j'enlève tout, j'enlève pas tout, mais du coup je vais vider en partie. Donc là je suis à 30 € fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 égale plus 7,50 € qui reste là. Ça nous fait du 367,50 €. J'en ai eu pour 290. Flûte, j'ai rajouté.
Non. Bon, allez. Donc, je disais 30 euros fois 12 égale plus 7,50 égale 367 moins 290 égale, il reste 77,50. Donc, 77,50 euros. Et là, je vais rajouter 50 euros pour ce mois-ci. Donc, ça me fait 127,50. 127,50. Donc, du coup, je vais voir combien ça me fait de cases. Mais il va falloir que j'en enlève quand même quelques-unes. Donc, ça me fait 3 et 3, 6 et 3, 9. 9, ça me fait 120, 120 et 7,50. Donc, je laisse plus que la première ligne. Plus que la première ligne de bois et tout le reste, je supprime. Bon, voilà, j'enlève le plus gros et puis je ferai le reste hors caméra, mais voilà. Vous aurez compris le calcul. Hop. Ça, le bois, c'est fait. Ensuite, le défi gym. Bon, bah, celui-là, c'est terminé et je verrai une fois payé. Je n'ai toujours pas reçu l'attestation passeport. J'espère la recevoir rapidement parce que normalement je suis censée aller payer ce soir la gym. Donc au pire des cas, j'essaierai de voir si je peux faire le premier chèque de 110 euros moins les 50 euros et un deuxième chèque de 50 euros. Et si effectivement il y a le passeport, il me l'encaisse pas ou il me le restitue de manière à pouvoir voilà, mais parce qu'on peut faire un paiement plusieurs fois, donc j'essaierai de voir s'ils peuvent déjà encaisser le premier chèque et le deuxième attendre peut-être le mois d'octobre. Si jamais, ou au moins que je puisse payer avec le ticket passeport. Les cartes cadeaux, ça n'a pas évolué. Les défis du mois, donc là j'en ai un de plus. Voilà, on se rapproche gentiment des 276 euros, c'est top. Les défis des centimes, il n'y a pas de nouveauté. Voilà, on a fait le point tout à l'heure et du coup là on est à 80 euros, c'est plutôt pas mal, donc je suis super contente de ce côté-ci. Voilà pour le mois de septembre, la préparation du budget ainsi que le remplissage de mes enveloppes budgétaires. Donc je suis super contente, ce mois-ci c'est un petit peu plus large, donc j'ai pu en profiter un petit peu plus pour pouvoir déjà mettre de côté en prévision de mes différentes enveloppes budgétaires. J'espère que de votre côté aussi, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me laisser du coup en commentaire, vous, si votre rentrée se passe plutôt bien ou si c'est plutôt un peu plus compliqué. Je n'ai pas parlé effectivement de ce que j'ai touché de la CAF par rapport à la rentrée scolaire, tout simplement. C'est que j'y mets sur un compte et donc du coup je m'en sers tout au long de l'année et l'année suivante pour faire assurer les frais de rentrée scolaire, tout simplement, parce que comme vous le savez, j'aime bien les faire en avant, j'aime pas les faire là après le 20 août où il y a quasiment plus rien, ça me correspond pas du tout, donc j'aime bien les faire quand même en avance. Donc voilà, du coup c'est pour ça que ça transite pas dans mon budget, tout simplement, parce qu'en fin de compte j'ai terminé d'utiliser ce que j'avais l'année dernière là pour la rentrée scolaire, et donc du coup là ce que j'ai touché j'y mets de côté et ce sera utilisé tout au long de l'année. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm gonna